Dis-moi si ça marche. Normalement, oui. Bon, oui. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle libraire à la page. J'ai oublié d'enlever la sonnerie de mon téléphone, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Il se moque de moi à côté. J'ai Didier qui m'a aidée pour cet aspect technique de la vidéo. Bref, aujourd'hui, c'est une rencontre un peu spéciale puisqu'on va parler de guide spirituel, comment le rencontrer et qui de mieux que l'auteur pour nous parler de son dernière œuvre, sa dernière œuvre, Virginie Bobet. Alors, comme vous le savez, récemment, j'avais fait une chronique un peu improvisée sur son livre Suis ton âme, elle connaît le chemin, un livre que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai pu vous partager lors d'une petite émission. Je vous invite à la re-regarder et à redécouvrir un petit peu ce livre qui a su répondre à bon nombre de mes questions comme les liens karmiques, les âmes sœurs, les signes synchronicités. En gros, c'est quand même un dialogue qui s'est instauré entre donc les auteurs Virginie Bobet et Violette Germont, avec leur guide spirituel et une dizaine de défunts qui étaient là pour répondre à toutes ces questions. Vous retrouvez donc facilement la vidéo sur la chaîne des studios Sky News. Mais en attendant, eh ben écoutez, je suis ravie de découvrir ce livre Rencontrer votre guide spirituel avec Virginie Bobet. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Christelle. Eh bien écoute, alors en regardant un petit peu, j'ai vu que tu étais une ancienne soignante en cancérologie et en soins palliatifs. Qu'est-ce qui t'a fait un peu changer de cet univers, où j'ai envie de dire c'est quand même un univers qui était proche de ce côté défunt en même temps, mais qu'est-ce qui t'a fait changer pour être énergéticienne et développer un peu ces facultés de médium, on va dire? En fait, il y a des choses qui se sont imposées à moi. Déjà, dès l'enfance, j'avais déjà des capacités médiumniques, même si on mettait pas les mots dessus, en fait. Mais je percevais des ombres, je ressentais des tas de phénomènes autour de moi, sur moi aussi. J'avais des phénomènes de décorporation, je me rappelais de mes voyages astro quand je me réveillais le matin. Il y avait plein de petits phénomènes qu'on peut appeler extraordinaires, qui peuplaient ma vie. Mais en fait, je pensais que c'était normal que tout le monde vivait ça, en fait. Et puis après, il a fallu que je grandisse. L'adolescence, c'est pas facile, faut se trouver soi. Donc à un moment donné, j'ai refermé, comme on dit, mes antennes, toutes mes perceptions. Et puis à un moment donné dans sa vie, bah en fait, ça m'a rattrapée d'une certaine manière et j'ai accepté aussi de réouvrir et d'aiguiser ces outils. En fait, les perceptions médiumniques, cette hypersensibilité, elle n'est pas si facile à vivre que ça. Et puis un jour, je me suis dit, ben, écoute, si c'est là, ça doit servir à quelque chose. Allons-y, allons explorer un monde invisible qui était très attirant pour moi et à la fois qui était si obscur, pas obscur dans le sens sombre, mais impalpable, extrêmement mystérieux. Et là, voilà, tout s'est rouvert encore plus et là, j'ai pu aiguiser. J'ai travaillé aussi, hein, des exercices, etc. Monter mes vibrations. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour libérer des souffrances que j'avais en moi. Et puis j'ai choisi la lumière. Clairement, j'ai fait ce choix à un moment donné de marcher avec cette lumière autour de moi et en moi. Et d'une certaine façon, petit à petit, des synchronicités de la vie ont fait que bah, ça m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Et puis bah oui, en effet, j'avais comme une première vie, si on peut dire ça comme ça, où j'étais soignante, où j'étais maman, où voilà, j'avais une vie un peu même tout le monde. Et puis à un moment donné, l'appel a été tellement grand que puis ça me nourrissait tellement aussi que bah à un moment donné, on fait des choix, on est
attirée, tirée vers ces choix-là. Après, on choisit avec son libre arbitre d'y aller ou pas, mais moi, j'ai choisi d'y aller et je ne regrette pas. Pas du tout. C'est une formidable aventure de chaque jour, en fait. Alors, justement, quand tu parlais là, tu disais que tu es montée en vibration, tu parlais justement un petit peu de tout ça, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans ce livre où tu nous donnes des astuces pour rencontrer notre guide spirituel. Et comme c'est un guide spirituel, je crois qu'il faut rentrer dans le côté un peu spiritualité. Je me trompe ou pas, mais en tout cas, pour moi, je sais pas. Tu vois, quand j'ai pensé à guide spirituel, on se demande pourquoi aujourd'hui j'ai tilté en me disant ah bah oui, guide spirituel, aujourd'hui pour moi c'est rentrer aussi dans une spiritualité et donc faire des exercices entre guillemets réguliers pour entretenir ce lien. Un Oui, déclic. aujourd'hui. On est sur vraiment une ère où on a envie d'aller mieux, les mots harmonie, équilibre intérieur, c'est des mots maintenant qui sont plus dans notre langage courant qu'il y a quelques années. On a envie d'être apaisé, on a envie de mettre du sens à nos épreuves, à ce Oups. qu'on vit. Et du coup, cet attrait pour la spiritualité en dehors de la religion, cette grandeur intérieure au-dessus, autour de nous, ou cette lumière, ou cette joie, cet amour qui peut remplir notre cœur. En fait, on met le mot qu'on veut, mais on est de plus en plus à être attiré par cela, appelé par cela, avec beaucoup de personnes maintenant qui ont des ressentis, qui ont des perceptions, qui arrivent à eux. Et le guide spirituel, dans ce cheminement souvent où on va vers soi pour être mieux, pour donner du sens à notre vie, pour comprendre qu'est la vie, avec peut-être des questionnements existentiels, bien le guide spirituel, il arrive comme presque une première marche vers soi. Et vraiment, et sans doute on va le développer ensuite dans la suite de notre conversation, mais le guide spirituel, il est sur cette première marche et il nous donne la main pour monter sur la suivante. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Il est là rien que pour nous et ça serait dommage de passer à côté de lui. Et justement, le guide spirituel, eh bien, dans ce livre, alors ce livre, tu l'as quand même coécrit avec Violette Germont, hein, bien sûr, on ne l'oublie pas dans ce livre. D'ailleurs, c'est celle aussi avec qui tu as coécrit Suis ton âme, elle connaît le chemin. Connais chemin. Mais il me semble que tu as écrit un livre toute seule aussi, c'était Alice, la vie après la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, je me trompe pas trop. Je vous invite, les invités, à aller découvrir ces livres. En tout cas, c'est riche d'informations. Et un plaisir à lire, pour moi. Donc, ce guide spirituel, justement, on évoque un petit peu sa mission en fait, envers nous. Donc, si je comprends bien, on n'a qu'un seul guide. Il peut faire appel à d'autres guides si on est sur un moment difficile pour aider, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. En fait, chacun d'entre nous, donc chacun d'entre vous, nous avons un guide spirituel, au moins un, parfois plus, ça peut arriver si on a des besoins particuliers, mais on a au moins un guide. Et ce guide spirituel, il n'est pas juste dans notre vie comme ça par hasard. C'est pas n'importe quelle âme qui vient eh bien nous aiguiller sur notre chemin. C'est vraiment un être. Souvent, ils disent, les guides, quand ils se présentent à vous, ils vous disent: je suis ton frère d'âme ou tu es ma sœur d'âme, par exemple. Ils peuvent utiliser ce langage-là pour dire à quel point il y a une proximité entre votre âme et la sienne. Il y a souvent un parcours ensemble, il y a une très très grande confiance, presque une complicité parfois. Et le guide spirituel est d'abord une âme qui a expérimenté la terre, qui sait très très bien comment ça se passe. Et il est là en cet instant pour vous accompagner sur votre chemin terrestre. Votre âme en a beaucoup besoin pour s'aiguiller. Et puis, il peut aussi être à notre service, notre guide. Alors, quand je dis notre, c'est plus notre côté humain, pour nous accompagner dans la vie quotidienne. Mais oui. Ce guide spirituel, justement, ça peut être quelqu'un que nous connaissons, mais pas forcément un membre de notre famille. Quand j'ai lu, justement, ton livre, comment dire,
Il y a eu un passage, bon, je le recherchais, mais il y a eu un passage où justement ce guide, en fait, on l'a depuis peut-être plusieurs vies, si j'ai bien compris. Ça peut. Ça peut. Mais c'est quelqu'un qui est élevé, on ne peut pas. Alors, bon, je vais reformuler. C'est parce que j'avais lu un livre de Jean-Jacques Charbonnier qui parlait justement, je crois que c'était la mort expliquée aux enfants. Où à la fin, il expliquait que avec certains âmes, on va jouer quelques rôles. Et c'est comme si ces âmes veillaient un petit peu sur nous en même temps. Une fois que cela est fini, c'est comme si en fait, enfin, une fois que eux, ils sont passés dans l'au-delà et que nous, on est encore sur Terre, c'est comme s'ils veillaient sur nous tel un guide. Est-ce que justement, on peut être un guide spirituel à une époque donnée et qu'on s'en soit lassé de notre guide spirituel actuel à un moment donné. Je ne sais pas si ma question est française, hein. Je me suis creusé la tête parce que je me Alors, dis est-ce qu'à que un je peux... moment, notre... Oui, vas-y. Excuse-moi. En Vas-y, vas-y. fait, on a un guide spirituel qui nous suit parfois. Voilà, c'est, apparemment, je peux pas vous donner de statistiques, hein, mais il peut nous Oui. suivre sur plusieurs vies. Ils peuvent nous suivre sur plusieurs vies parce que nos vies qui s'enchaînent les unes après les autres, au point de vue de l'âme, hein, je parle là, eh bien, c'est un cheminement. Et du coup, le guide, il est parfait pour accompagner ce cheminement de vie en vie. Cependant, lorsque l'on explique que le guide spirituel ne peut pas être notre défunt, ça ne veut pas dire que nos défunts ne peuvent pas veiller sur nous et ne sont pas près de nous. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on a un guide spirituel dont c'est le rôle, c'est la mission, il est tout le temps auprès de nous, il est là avant notre incarnation, pendant notre incarnation, il sera là après notre incarnation. Un défunt, par exemple un parent qui est décédé, un grand-parent qui est décédé, qu'on aimait profondément, eh bien il peut, une fois qu'il est passé de l'autre côté, qu'il a voilà, grimpé les escaliers de lumière, avoir été jusqu'à sa famille d'âme, fait son bilan de vie, qu'il est complètement apaisé, complètement serein, il peut tout à fait venir vous voir régulièrement, plus ou moins régulièrement, parler avec vous la nuit, peut-être même vous mettre des signes sur votre chemin. Ça, c'est pas du tout antinomique, mais le rôle du guide, lui, il est bien spécifique. Est-ce que tout le monde, justement, parce que je commence à voir apparaître les questions sur le chat à ce sujet, est-ce que tout le monde peut communiquer avec son guide et ressentir ses appels? Je dirais qu'on est tous un peu médium, on est tous fabriqués de la même manière et la radio, on l'a tous. Par contre, il faut trouver la bonne station. Donc, déjà, il faut avoir envie, faut pas avoir peur, il faut se sentir aussi à aller vers lui et pas le contraire. Le guide, lui, il est extrêmement respectueux de votre vie terrestre. Il va pas faire d'ingérence, comme ils disent. Ils ne viennent pas en ingérence dans notre vie. Donc, il va pas s'imposer à nous. Par contre, si vous vous éveillez à votre guide spirituel en disant, ah ben, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui peut m'accompagner sur cette vie, et peut-être on détaillera tout ce qu'il peut faire pour nous, eh bien, c'est un vrai plus. Et là, il peut commencer à rentrer en communication avec vous. Alors, communication, bah, c'est pas comme quand vous décrochez le téléphone. Il va y avoir lui, il est énergie en fait. Il est, voilà. Et vous avez un corps de matière. Ne vous attendez pas à ressentir une tape physique sur le bras, par exemple, ni un bisou. Là, il faut revenir aussi au fait que lui n'est qu'énergie et qu'il va communiquer avec vous à travers, souvent, votre corps d'énergie, vos sens subtils. Et c'est là qu'il faut aussi apprendre à aiguiser ces sens subtils, découvrir quel est le vôtre et élever vos vibrations parce que le guide, lui, il est sur une vibration élevée, comme tu disais très bien il y a quelques secondes. Et puis nous, bah, on est sur la Terre, donc on a une vibration un peu plus dense. Il y a un pont de communication entre nous, il faut se rejoindre sur ce pont. Et ça se travaille. Genre oui, justement, ce fameux pont que tu nous présentes dans ce livre, hein, finalement, tu nous expliques comment créer ce pont pour pouvoir communiquer avec son guide, ou du moins, pas communiquer, parce qu'on peut communiquer même par la
parole finalement avec le guide, c'est ce qu'on comprend aussi, mais comment recevoir un petit peu les messages des guides ou des signes des guides de manière un peu plus... Comment dire? J'allais dire visuelle, mais c'est pas forcément le bon mot choisi. De manière plus... Non, je trouverai pas le mot. Débrouillez-vous. Quand on trouve pas le mot, débrouillez-vous. Non, mais d'une autre manière, en tout cas, voilà. On peut faire peut-être plus attention à des signes, des synchronicités. Donc ça, c'est aussi pas s'entraîner, parce qu'après, je pense qu'on devient dans une... On rentre dans une dépendance de ces synchronicités. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé cette partie, même si on parle pas de dépendance, mais on parle quand même de ne pas faire de fixette, puisque après, sinon, tout se transforme en signe. Mais... Voilà, il y a quand même plein de choses et il ne faut s'attendre à rien finalement puisque c'est lui qui viendra à nous comme il le choisira et comme nous, on sera apte à l'accepter à ce moment-là. Bref. On peut commencer tout simplement à s'ouvrir à lui et à lui dire « Ok, apparemment, t'existes ». Mais moi, je suis pas convaincue parce que tu sais, je suis humaine, donc j'ai besoin de preuves. Alors, vas-y. Si tu es là, je t'accueille, ce qui est déjà un chemin. Et si tu es là, bah, peut-être viens à ma rencontre. Et là, se laisser cueillir par ce qui peut arriver. Et souvent, quand on est dans cette spontanéité, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va ressentir quelque chose. Le guide, il attend que ça, en fait. Il est très heureux si vous lui ouvrez la porte, comme nous on dit. C'est-à-dire, il est très heureux si vous lui dites « Mon guide, je t'accueille, viens à moi, viens. » Et vous prenez un temps pour lâcher le mental et juste vous mettre en réceptivité de l'instant. Et peut-être que le premier signe, ça va être une détente. Voilà. Cet après-midi, j'accompagnais une personne et la personne me dit « Moi, je ne ressens rien. J'ai essayé, mais je ne ressens rien. » Je lui dis « Ok, on essaye quand même. On s'installe, on respire, on prend le temps d'apaiser le mental parce que ça, c'est important, le mental qui va mettre des bâtons dans les roues. » Et voilà, elle se met à dire « Voilà, je t'accueille à son guide spirituel. » Et là, il y avait des larmes qui coulaient sur son visage, des larmes qui coulaient. Et je lui dis, le ressentez-vous à votre manière? Elle me dit, je ne ressens rien. Elle avait les larmes qui coulaient. Et je lui dis, mais vous êtes touchée là? Elle me dit, mais oui, mais je m'attendais à ce qu'il me tienne la main. Et là, je lui dis, ben non, il ne vient pas vous tenir la main. Ça, c'est vous qui aviez interprété qu'il viendrait de cette manière-là. Mais en fait, il est juste venu mettre un tout petit peu son énergie au centre de votre cœur. Et du coup, bah, il y a cette émotion qui vient. Accueillez cette émotion. C'est par là, pour vous, qui vient. Donc voilà, des fois, on a l'impression qu'on ne va pas sentir. On est tout crispé sur le physique en se disant « Comment je vais le ressentir ?» Il y en a qui disent « C'est du chaud », d'autres qui disent que c'est du froid, d'autres qui sentent des vibrations. Bah, des fois, c'est émotionnel aussi. Puis des fois, on sent une détente. Et puis des fois, on voit, pour ceux qui sont visuels, on voit des lumières, on voit des flashs, on voit une couleur. Parfois, ben, on peut vraiment sentir une vibration à un point très précis de notre corps. Mais ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de vous, humainement, comment vous ressentez le subtil, son énergie. Et ça va aussi dépendre de votre guide. Donc, vous formez un duo unique. Il faut comprendre comment vous communiquez ensemble. Oui, en fait, il faut trouver sa manière de communiquer qui est propre à chacun, en fait, si on comprend ce que tu viens de dire. Il faut qu'on trouve sa manière de communiquer avec son guide. C'est une relation à créer. Tout comme on fait une relation avec un autre humain, eh bien, on y va à tâtons au début, on y va tranquillement, et puis on avance, on chemine ensemble, et on consolide aussi cette relation. On comprend ce que l'autre peut nous apporter, comment on peut se créer l'échange, l'équilibre, et c'est comme une relation humaine, en fait. Ouais. Mmh. Et pour ces gens qui... Comment dire ? Désespère, qui n'arrive pas à les entendre depuis des années en cherchant en vain à le contacter, à avoir une preuve.
et qui finalement se coupent, puisque pour eux, ils n'ont pas eu cette preuve, même si des fois, certainement, en tout cas de ce que j'ai pu lire, même sur les guides spirituels, en fait, ils nous envoient des signes à longueur de journée, mais ces gens n'ayant pas pu voir ces signes se coupent. Est-ce qu'à un moment donné, le guide ne va pas se lasser justement d'en envoyer? Ou au contraire, va continuer et va limite faire atterrir une météorite au pied de la personne pour être sûr qu'elle ait compris. Comme je vous disais, le guide respecte le libre arbitre de chaque humain. Tout le monde n'est pas amené à vouloir connecter son guide spirituel. Tout le monde n'a pas envie d'aller vers la spiritualité. Ça n'empêche que chacun fait son chemin tout de même. Lorsque souvent les personnes me disent, ah, mon guide, ah non, moi j'en ai pas. Il a dû partir en vacances, il a démissionné, il ne m'entend pas, il ne me répond pas. Alors, ça tout de suite, on va vous dire, si, si, le guide vous entend, le guide vous écoute, il est toujours auprès de vous. Par contre, il ne peut pas toujours répondre à la moindre de vos sollicitations. Et puis, la mission du guide, ce n'est pas de se faire connaître auprès de son humain toute la sainte journée. Le guide, son but, c'est d'arriver à vous aider, à vous aiguiller dans votre vie pour être en accord avec ce que votre âme est venue vivre. Donc lui, son premier job, c'est de veiller à ce que vous soyez en accord avec votre âme, tout en respectant votre libre arbitre humain, ce qui est parfois un petit peu délicat, comme vous pouvez l'imaginer. Mais il va être à notre service, entre guillemets, il va être auprès de nous si on le sollicite, si on l'appelle. Et souvent, je pourrais vous donner plus de détails. Moi, j'adore dire au guide, soutenez-moi, inspirez-moi dans ma journée. Tous les jours, je leur demande ça. Aidez-moi, soutenez-moi, inspirez-moi, aiguillez-moi. Et cette intuition qui se développe chez chacun d'entre nous, cette intuition, bah, parfois, c'est ses messages à lui. Il peut utiliser des images, des flashs. D'un seul coup, on a une pensée, c'est Eureka, ça y est, j'ai trouvé quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Ça peut être l'inspiration de votre guide aussi. Donc, vous voyez, ça se fait très spontanément, en fait, dans la journée. Et puis, si parfois je me sens peut-être triste ou fatiguée, que je vis des choses peut-être émotionnelles, c'est un peu plus compliqué, j'aime bien dire juste à mon guide, je me pose, je fais comme une petite méditation et puis je lui dis, viens me faire un câlin, viens me dorloter, j'ai besoin là de sentir qu'il y a quelqu'un, une présence auprès de moi et qui est absolument sans jugement, qui m'accueille tel que je suis. Et là, je peux sentir alors que je me détends et que j'ai comme une grosse couette duveteuse autour de mes épaules et un vrai accueil de ce que je vis, une vraie compassion, une vraie bienveillance. Et ça peut être vraiment la petite touche qui vient vous donner du baume au cœur pour avancer sur cette vie. Mais même sans que vous lui demandiez, comme votre guide, il cherche à que vous soyez sur votre mission d'âme, il va synchroniser des rencontres. Il va vous montrer le chemin d'une certaine manière si vous avez un projet ou si vous devez rencontrer une personne importante dans votre vie, si vous devez changer de job et que c'est inscrit dans votre contrat d'âme, eh bien, il va vous amener les bonnes rencontres. Il va vous donner des indices et des tas d'indices et de plus en plus d'indices pour que vous puissiez vous dire « Ah oui, non, mais là, il y a l'air quand même, on m'en parle une fois, deux fois, je vois un article, etc. » Vous savez, comme si on réunissait des indices pour avoir un panel plus complet et une direction. Et puis parfois aussi, le guide, il vous fait comprendre d'une certaine manière aussi que vous prenez un chemin. Peut-être que vous avez déjà exploré 1000 fois, il essaye de vous tirer d'un côté, vous dans l'humain, vous tirez de l'autre. Et c'est là qu'on peut vivre aussi un certain nombre de déceptions, de claques, de vagues de la vie. Et parfois, c'est en alignement aussi avec votre âme. C'est-à-dire, elle vous dit, non mais là, c'est bon quoi, pose-toi 2 secondes et puis voilà, essaye de ressentir. Arrête de courir partout, essaye de ressentir. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Christelle ? Oui, 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 oui.
Justement, très bien même. J'étais en train de justement de me dire, bon, bah, je vais pouvoir poser mon autre question, parce que c'est vrai que c'est des questions qui étaient dans le chat, mais moi j'en avais une qui, quand j'ai lu ton livre, qui m'a interpellée. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on reçoit de nombreux médiums sur la chaîne. Et la question du prénom du guide. Souvent, on nous dit, oh, mon guide a un prénom, et ainsi de suite. Effectivement, on doit le connaître au bout d'un moment. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, waouh, c'est un peu anxiogène parce que des gens comme moi, lambda, je ne vais pas forcément entendre mon guide, je vais voir les synchronicités ou voilà, je vais avoir mes attentions avec lui, mais je ne vais pas l'entendre, son prénom, et je ne sais pas comment il s'appellera en vrai. Moi, je l'ai surnommé Petit Jésus. Bon, ben ça date de mon adolescent. Et il restera à jamais petit Jésus. Voilà. Bon, c'est une anecdote comme ça, hein, quand on est adolescent, qu'on ne sait pas que quand on fait des vœux, bah, ça marche. Bah, voilà, on lui donne le nom qu'on a envie. Mais c'est ça que j'ai aimé justement dans ton livre, c'est que bah, le nom, enfin, le guide est énergie, il n'a pas forcément de nom ou de prénom. Et j'ai trouvé ça un petit peu déculpabilisant pour nous, de ne pas être à la recherche du prénom de notre guide, même s'il peut en avoir un ou pas. Finalement, est-ce qu'il en a vraiment un? Alors ça, c'est un sujet brûlant, le prénom ou le nom du guide, ça Oui. c'est un sujet qui revient toujours sur la table. Nous, on n'a pas la vérité absolue. Voilà, nous, on entend les êtres de lumière assez clairement et ils vont comme ça nous donner des informations. L'âme, elle est son et vibration, ils disent, couleur. Presque comme une note de musique colorée. C'est pas facile de donner un nom. Hein. Donc, ils ont un nom qui est vibratoire. Ils ont une identité. Je suis plus précise là. On me rappelle à l'ordre. On me dit pas un nom, une identité vibratoire. Et cette identité vibratoire, eh ben, elle ne se parle, elle ne se dit pas avec les cordes vocales humaines. Alors parfois, Ok. quand on leur dit, mais c'est quoi, comment on peut appeler, par exemple, dans Suis ton âme, elle connaît le chemin, on a une âme qui est un peu fil rouge, qui est un peu, voilà, qui nous fait cheminer de témoignage en témoignage, qu'on a nommée Sileria, parce que quand on lui a dit, qui es-tu, on a entendu quelque chose qui était très phonétique, avec beaucoup, beaucoup de voyelles. Et on a choisi de dire ça ressemble à Sileria, mais c'est pas facile parce que c'est un son, c'est une identité vibratoire. Donc on est tous comme ça. Même vous, votre prénom d'âme, c'est pareil. C'est quelque chose de vibratoire. C'est pas facile à dire avec des cordes vocales. Après, si vous avez depuis longtemps l'habitude d'appeler votre guide mon ange gardien ou un prénom X ou Y, ne changez rien. Gardez ce prénom. Parce que vous savez, lui, il sait que quand vous nommez ce prénom, c'est lui. Et vous vous adressez à lui. Donc en fait, le code, il est déjà installé. Il n'y a pas besoin de le changer. Nous, on dit mon guide. Moi, bon, j'ai plusieurs guides avec moi, guides spirituels, mais parce que bah, comme je suis médium bah, et énergéticienne, bah, j'ai aussi des guides qui sont spécialisés là, avec ça. Mais moi, je les appelle les copains. On peut les appeler les petits loups. Son guide, on peut l'appeler étincelle, on peut l'appeler lumière. Si un jour on l'a vu et qu'il ressemblait à une grande lumière ou à un grand soleil, et ben, on peut l'appeler comme ça. En fait, trouvez le code qui vous convient à vous. Même si je vous dis son prénom, bah on peut pas vraiment dire qu'il a une pièce d'identité, quoi. Peut-être que le prénom, finalement, c'est typiquement humain, j'ai envie de dire. On a Oui, c'est ça. tendance à vouloir On fait de mettre des... l'anthropomorphisme, en fait, oui, Oui, beaucoup. c'est ça. Bon, je C'est humain, continuerai c'est quand même à normal. l'appeler Petit Jésus, le mien. Et Bah, puis... oui, c'est ton code avec lui. Il y a pas de... Oui, au contraire, continue comme ça, ne change Je rien. suis sûre que des fois, il rigole là-dessus, d'ailleurs. Parce que moi-même, je rigole. Et ça donne des situations cocasses quand on est dans la rue et qu'on en a marre. Par expérience. Bref,
Alors j'avais une autre question. Oui, justement, tu parlais de ce surnom ange gardien. Dans le chat, on avait cette fameuse question qui revient souvent, et d'ailleurs parfois, selon les intervenants, bah, ça donne des réponses différentes. Donc j'ai envie que tu nous apportes cette réponse. Est-ce que le guide spirituel fait partie des anges gardiens? Alors dans le livre, tu y réponds justement, mais bon, je te laisse. Alors, ça aussi, c'est une question brûlante. Alors, dans le langage courant, celui que vous appelez l'ange gardien, c'est votre guide spirituel. Cependant, ce n'est pas l'ange avec des grandes ailes comme on a pu le voir dans les icônes religieuses, parce que les anges font partie du plan angélique, pardon, comme les archanges font partie d'un plan vibratoire archangélique. Et les anges ne. Donc, c'est un plan vibratoire très, très élevé qui baigne dans l'amour inconditionnel, qui est magnifique, auquel on peut se connecter d'ailleurs. Hein, mais il ne s'occupe pas d'un humain, il s'occupe plutôt de l'humanité, il s'occupe de l'évolution de la planète, il s'occupe, oui, de l'évolution de l'humanité, je pourrais vous dire ça plutôt comme ça. Alors que vous avez à vos côtés, choisi par votre âme, une autre âme qui est votre guide spirituel et qui est à vos côtés. Il n'est pas moins bon pour gérer les situations que vous rencontrez. Il est extrêmement, parfaitement adapté pour vous accompagner. Donc, si vous avez envie, allez vous baigner dans les énergies des anges, du plan angélique, mais celui qui vous accompagne au quotidien, c'est votre guide spirituel, que vous pouvez appeler ange gardien, si vous aimez utiliser ce petit mot, qui est vraiment un petit mot doux, je trouve. C'est un petit surnom qui est adorable, je trouve. Donc c'est OK. Et justement, alors quand je t'écoute parler, je me dis, mon Dieu, ça doit être génial de pouvoir discuter comme ça avec son guide spirituel, lui poser toutes ces questions. Là, je te pose les questions personnellement, mais je m'imagine un jour pouvoir converser justement avec mon guide spirituel comme je converse avec toi, même si des fois les réponses pendant plusieurs jours à venir, c'est pas grave, j'aurai mes réponses. Et est-ce que une fois qu'on a fini ce livre et mis en pratique tout ça, on arrive à converser avec son guide, lui poser toutes les questions qu'on veut sur ce sujet, on va dire, et qu'il y réponde un peu comme un dialogue comme on a là en ce moment. Même pour soi, le guide, il ne va pas répondre. Par exemple, je pense, on pourrait lui demander, OK, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir à Bali la semaine prochaine? Ou est-ce que non, il vaut mieux que je termine de travailler ce projet-là qui me tient à cœur? Le guide, il ne va pas vous dire, va à Bali ou reste travailler. Ça, c'est, le guide, il répond pas à ça. Le guide n'est Zut. pas là pour ça. Ben oui, pourquoi? Ben, tout simplement parce que ben, sinon il vous enlèverait votre libre arbitre. Il vous C'est ça. enlèverait même votre vie. Il vivrait à votre place. Ça marche pas. Je sais que vous êtes nombreux à avoir envie qu'il vous guide. Mais là, il vous guide pas, il vous drive en fait s'il faisait ça. Non, non, les guides spirituels, ils ont un code d'éthique et c'est cette non-ingérence dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de respecter le grand libre arbitre que nous avons tous sur Terre. Donc le guide, il va pas te dire ouais, vas-y, pars à Bali. Non, il va pas vous dire ça. Par contre, il va souvent vous ramener à vous. Et vous demander de vous relier à votre cœur et de vous demander bah, qu'est-ce qui te semble le plus juste pour toi? Dans quelle situation tu te sens plus en équilibre? Mais en règle générale, il va dire, écoute-toi, c'est pas à lui de prendre la décision pour vous. Il ne prend pas de décision pour vous. Ça, c'est clair. Mais il peut nous aiguiller à nous reconnecter à nous et c'est en se reconnectant à nous qu'on va pouvoir trouver le chemin qui nous convient le plus. Et puis il n'y a pas de meilleur chemin. Vous savez, souvent les gens ils viennent me voir puis ils me disent mais c'est quoi ma mission de vie? Je voudrais être sur mon bon chemin, je voudrais être sur le bon chemin. Est-ce que je suis sur mon bon chemin? Mais c'est une question qui n'a pas de sens en fait, parce que vous êtes bien sur le chemin puisque vous êtes sur la terre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Tout est une expérience. Et vivez la vie comme une grande expérience, en fait. Il n'y a pas de je me trompe.
Gars, vous faites une expérience. L'âme, elle vous en veut pas, le guide spirituel non plus, ni un dieu ne vous en veut parce que vous avez fait tel ou tel choix. Par contre, vous, comment vous êtes en accord avec ces choix-là? C'est plutôt ça qu'il faut vous poser comme question. Et si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vous, c'est là qu'il faut faire un travail avec vous. Je disais en préambule tout à l'heure que le guide, bah, il était à la première marche de la spiritualité. Spiritualité, ça veut dire revenir à sa lumière. Chacun d'entre nous, nous sommes lumière, mais on a oublié. Chacun d'entre nous, nous sommes amour, mais on l'a un peu oublié parce que la vie sur Terre, c'est pas facile humainement. Et puis on se contracte, on résiste, on se blesse. Donc on a, voilà, c'est un peu compliqué. On le vit tous, on sait tous comment ça fonctionne. Donc aller vers la spiritualité, c'est retourner à sa propre lumière. Et le guide, il vient vous donner la main, pas pour vous grimper sur la marche suivante, mais pour vous dire, hey, je suis là. Ok, viens, je vais te montrer comment tu peux te reconnecter à ta lumière. En se reconnectant à son guide, on se reconnecte aussi beaucoup à soi. Alors, je repose mes questions différemment. Parce que ça, c'était la prochaine. Mais finalement, tu as répondu à la prochaine et du coup, je vais reprendre. Ah, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est bien parce que du coup, ça donne une réponse aussi très complète. Et puis, c'est vrai que on a souvent tendance à se dire que il va pouvoir choisir à notre place dans certaines situations. Et au final, effectivement, bah, notre libre arbitre n'y est plus. Et puis, comme tu l'expliques dans ton livre, c'est vraiment, on a un chemin de vie et avant d'accorder quelque chose, il regarde si ça va avec notre âme, avec notre contrat d'âme. Donc, s'il intervient, c'est parce que c'est en accord avec nous-mêmes, finalement. Et non contre notre libre arbitre. D'ailleurs, il y a des passages un peu cocasses de personnes qui font des demandes et qui, en fait, le guide répond à toutes ces demandes, mais comme la personne a une demande précise, notamment celui avec en Chine, qui veut partir en Chine et qui veut un poste précis, et que son guide lui propose le même poste, mais ailleurs, et qu'il finalement il refuse ce poste parce que non, il veut partir en Chine. Eh ben non, ce n'est pas en accord avec lui-même. Mince. Ça, c'est C'est vrai que ce souvent, passage, j'ai bien aimé. mais oui, parce que c'est vraiment typique en fait. La dissonance qu'il peut y avoir entre nos demandes humaines, c'est notre ego, c'est notre mental qui dit je veux ci, je veux ça, et puis en fait, ce qui est en accord avec notre âme et le chemin que l'âme a choisi. Alors du coup, souvent les gens ils disent bah, je comprends pas, j'ai demandé ça, j'ai pas eu de réponse, je demande ça ne se réalise pas. Et alors souvent c'est soit parce qu'on demande et c'est pas du tout en alignement avec nous, et du coup c'est là où il faut retravailler cet alignement avec nous-mêmes, ou alors c'est parce que on demande mais on veut pas en fait, on veut mais on veut pas, on a peur. Donc c'est pas facile. Et le guide, c'est pas un bon génie, on frotte la lampe et le bon génie arrive. Tu as trois vœux, qu'est-ce que tu veux? Non, ça marche pas tout à fait comme ça. On aime. Je suis désolée, je déconstruis un peu le mythe là, mais je tiens à être complètement honnête avec vous. J'imagine bien la lampe d'Aladin. Oh, guide spirituel, réalise C'est mes vœux. ça. C'est ça. Donc ouais, c'est sympa, c'est rigolo, mais ça marche pas tout à fait comme ça. Et en fait, il faut pas. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on est dans une ère d'honnêteté, on est dans une ère de transparence. Et en effet, bah, on peut pas vous dire demandez tout ce que vous voulez et tout sera réalisé. Si c'est en accord avec votre âme, bah ouais, vous allez faire un super chemin. Et l'âme, elle prévoit toujours des super défis de vie et qui est en accord avec vous, avec ce que vous êtes en capacité de vivre, etc. Donc, ça peut être une vie très enthousiasmante aussi. Ça peut être grâce au guide spirituel, sentir qu'on n'est jamais seul et qu'on est soutenu et qu'on nous guide, qu'on nous aiguille. Et nous accompagne. Donc ça c'est génial, ça met vraiment de la magie, de la lumière dans notre existence. Puis il peut nous faciliter, nous fluidifier notre vie aussi, tout simplement. Et puis ça c'est génial en fait de laisser juste le guide fluidifier notre vie, mais voilà, il faut que ce soit bien aligné avec soi et pas des demandes du mental. Du coup, cette fameuse question qui me... Voilà.
toi, tu peux communiquer avec ton guide. Facilement, tu entends ce qu'il a à te dire, tu peux poser des questions finalement sur l'au-delà, sur le contrat, enfin les... Oui, on va dire le contrat d'âme, le cheminement d'une âme, où tu peux même avoir accès finalement à de nombreuses questions. Je ne pense pas à tout, mais à de nombreuses questions que même nos auditeurs à chaque fois nous posent lors d'une émission. Est-ce que, comment dire, un jour, puisque chaque personne, je vais refaire, hein. Par exemple, j'avais lu le cinquième accord Toltec. Cinquième accord Toltec qui se base sur... les différentes réalités de chacun. Ce que tu vas canaliser, finalement, vont être retranscrits avec tes mots, même si tu essayes d'être le plus fidèle possible, tu restes humaine et du coup, tu vas quand même le retranscrire avec tes mots, tes perceptions, pour certains avec leurs croyances en plus, qui vont potentiellement limiter leur interprétation. Parce qu'on peut très bien avoir des médiums, mais qui vont retranscrire la même chose, mais finalement de manière un peu plus limitée du fait de croyances, j'ai envie de dire, un peu limitantes. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a l'occasion de discuter avec vous ou de vous écouter, finalement, vous avez cette même ligne linéaire où parfois vous pouvez dire les choses différemment, mais finalement, quand on reconstruit le fil de l'histoire, finalement, vous nous parlez de la même chose, puisque tous les messages viennent du même endroit. Mais ton interprétation ne sera pas la mienne. Est-ce qu'un jour, par exemple, si j'arrive à finir le livre et à donc finir justement à essayer de communiquer avec mon guide, est-ce que je vais pouvoir avoir accès à ces informations à travers mon guide, ou alors est-ce qu'il a vraiment pour lui, que l'utilité, si tu veux, de m'aider à aller jusqu'à la fin de mon cheminement d'âme. Et que ça, ce sont des questions superflues. Pour lui. Ah, elle était complexe, ma question, je suis désolée. Oui, elle était complexe ta question. J'ai fait la question anaconda de Didier. Bon, je vais répondre comme je la comprends, moi aussi. Il y a deux choses, en fait, il y a deux éléments en fait dans ta question. C'est, tu parles de channeling là, et tu parles de vivre au quotidien avec son guide, ce qui est deux choses un petit peu différentes. Le channeling, c'est vraiment quelque chose de particulier où, enfin, en tout cas, moi je le vis comme ça et que j'ai légèrement envie comme ça. C'est vraiment, on laisse la place au guide pour parler à travers nous. On accompagne des centaines de personnes tous les mois et le message du guide, des guides, selon les personnes bien sûr, il est tout à fait différent d'une personne à une autre. Quand on est en channeling et qu'on communique, qu'on laisse la communication à des êtres très très élevés, c'est simple, on est à côté de nous, entre guillemets, c'est-à-dire on laisse la place au guide pour passer à travers nous. Et d'ailleurs, on a ça comme langage. On dit, attendez, je vais laisser parler à travers moi, ça sera plus simple. On dit ça. Et du coup, là, on les laisse parler à travers nous. En effet, ça passe par un certain filtre, entre guillemets. Plus on va exceller dans l'art du channeling, de la canalisation, plus on va pouvoir élimer ce filtre, ce tamis de la conscience. C'est comme ça que certains grands médiums peuvent canaliser dans une langue qui leur est étrangère, par exemple. Donc là, on voit bien qu'on passe pas par le filtre de la personne. Par exemple, quand moi je canalise, j'ai pas toutes les informations, je me souviens pas de tout, même si ça a été court, même si le guide a parlé que 3 minutes. Mais moi, je ne vais pas tout me rappeler, en fait. Je vais me rappeler de l'essentiel, du message global. Et je ne vais pas me rappeler de tout. Par contre, là où il peut y avoir interprétation, je te l'accorde, c'est également sur celui qui entend le message. Et comment on interprète les choses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que il m'est arrivé récemment de donner un message d'une phrase. C'était court. L'interprétation est limitée quand même. Ben, en fait, entre ce que moi j'avais compris de cette phrase et la personne à qui je l'ai adressée,
Et ben, enfin, ils étaient deux d'ailleurs. Complètement différent, oui. Ils n'ont pas compris du tout la même chose que moi. Et du coup, on comparait entre guillemets nos ressentis et ce qu'on avait entendu. Et en fait, ça parle beaucoup de nous. Si on est dans des peurs, bah, on peut entendre les peurs en fait. Ça peut réappuyer sur nos peurs. Par exemple, c'est un exemple que je veux dire, que je pose là. Donc, il y a comment on interprète les choses, comment on interprète. Et là, c'est à nous aussi de ne pas écouter avec la tête, mais d'écouter avec le cœur. Parce que là, il y a moins d'interprétation. Et puis, de ne pas peut-être s'accrocher à un mot, mais plutôt de ressentir la vibration globale de ce qui se passe. Parce qu'on le sait bien, dès qu'on dit un mot, bah, il va y avoir des interprétations différentes. Quand toi, tu as nommé Petit Jésus ton guide, chacun a eu une représentation différente de ton guide. Oui, Comprends? clairement. Eh bien, c'est pareil. Chaque mot porte une vibration, mais chacun y met aussi une coloration à ce mot. Alors, dans un message complet, oui, il y a des interprétations. En effet, il peut y avoir des interprétations. Mais c'est pour ça que le guide ne donne pas un signe, un seul signe pour s'aiguiller. Il va Oui. donner tout un ensemble de signes si on est attentif. Et on peut aussi. Je pense que c'est important aujourd'hui de trouver notre discernement et d'écouter ce qui nous parle. Même si les signes vont dans un sens, des fois on n'a pas envie d'écouter ces signes, des fois on ne veut pas les écouter. Le nombre de fois où on dit Ah, je savais qu'il fallait faire ça, bah non, j'ai fait le contraire. Mais je savais hein, qu'il fallait le faire. Hein. C'est ma faute, Le hein. Je savais, je quotidien. savais, je savais. Mais ça arrive à tout le monde, ça. Et puis, le nombre de fois où, voilà, et ben, ça, à un moment donné, c'est de se dire, OK, je sais que c'est A au fond de moi, et je prends le chemin B. Ben, à chaque fois qu'on se prend un caramel mou sur le chemin B, ben, à un moment donné, on se dit, bon, bah, je vais essayer de prendre le chemin qu'on m'indique, puis je vais voir quel est le résultat. C'est comme ça aussi qu'on prend confiance dans la relation au guide et qu'on peut comprendre cette communication, la comprendre, comment on communique ensemble, comme je disais tout à l'heure. Et oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, si j'ai bien compris, c'est un livre. C'est un livre. Donc, bah, il va falloir vous exercer. En plus, dans ce livre, il y a plein d'outils, il y a plein d'exercices, Oula oui. il y a même des audios. Où vous pouvez écouter le message des guides. Il y a beaucoup de canalisations aussi dedans, beaucoup de channeling qui aussi sont égrenés au fil du livre. Donc c'est assez riche. C'est vraiment comme un livre de recettes. Mais en effet, moi je peux avoir plein de bouquins de livres de recettes. Hein. Mais si je me mets jamais au fourneau, à un moment donné, il va pas arriver. Il va pas arriver quoi mon repas. Ah, J'aime ça va pas se beaucoup la cuisiner tout cuisine. seul. Ça se cuisine pas tout seul. Moi, j'adore la cuisine asiatique. Si j'ai des livres sur le boboon, c'est bien. Mais mon boboon, il va pas sortir de la cuisine avec ses petites papattes, quoi. À un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, il faut faire les exercices, les refaire encore et encore. Et puis, un livre, ça a aussi ses limites. On peut pas poser des questions comme là, tu es en train de me les poser. C'est limité aussi. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans quelques semaines, j'anime un atelier qui s'appelle Rencontre ton guide spirituel, où là, à travers 5 web ateliers en direct live, mais on va refaire des exercices pour se reconnecter. Alors, des exercices qui seront complémentaires à ceux qu'il y a dans le livre. On va pas encore refaire tous les exercices du livre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, les faire en direct live, les faire avec l'énergie de l'équipe des guides autour de nous, et puis pouvoir poser ces questions, pouvoir dire, oui, mais alors moi je ressens ça, vous confirmez que ça peut être un ressenti de mon guide ou pas du tout, et que ça soit un tout petit peu plus personnalisé. Tu comprends? Donc oui, Oui. bah le livre, il est riche, le livre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais le livre est Ah assez riche. oui. Mais il y a aussi la limite du livre. Vous pouvez ingurgiter tous les livres du monde sur la spiritualité, par exemple. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un être spirituel? Ben, si vous vous reliez jamais à vous, ben, c'est comme mon histoire de livre de Boboon. Mon Boboon, il n'arrive pas tout seul. À un moment donné, il faut que j'y aille couper mes petits légumes. Est-ce que je suis claire? Oui, mais justement, c'est vrai que dans tous les livres que j'ai pu lire, parce que bah, comme j'anime des émissions, c'est vrai que j'en ingurgite quand même pas mal sur le sujet. Et je dis ingurgiter, oui, je sais, c'est parce que c'est vrai que finalement,
tous les livres se ressemblent, mais en même temps, vous arrivez tous à trouver une information complémentaire qui fait qu'on a tous envie de vous acheter, parce que du coup, à chaque fois, bah, vous nous apportez votre petite pierre à l'édifice, en fait, pour notre cheminement aussi. Et c'est ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est qu'il est quand même poussé en exercice, où vraiment, il y a quand même des passages, même de méditation, de pratique. Il y a aussi les canalisations qui nous parlent plus ou moins après selon les personnes et selon le moment où aussi on le lit, puisque chaque lecture se fera aussi. Enfin, moi, c'est quelque chose pour moi qui. On prend un livre, on peut le lire et quand on ne sent plus le livre, on peut le poser et on le relira au moment où on le sentira, puisque ce n'est pas le moment de passer à l'étape suivante. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le cheminement dans sa tête, hein. Qu'on soit d'accord. Ça, c'est un peu ma philosophie de vie avec les livres. Et justement, dans ton livre, tu nous parles de comment favoriser la communication avec votre guide. Ça, j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup hein, des livres. J'en ai traité justement d'un autre qui nous parle un petit peu de ces bases spirituelles et qui justement sème cette petite graine. Justement pour nous dire, en fait, il faut quand même mener une autre vie que celle de déconnecter et 100% mentale. Et vous avez su, en tout cas avec Violette aussi, légèrement, qu'on n'oublie pas, hein, bien sûr, parce que vous savez, je dis souvent tu, mais vous avez été deux quand même à l'avoir écrit. Et justement, dedans, vous nous expliquez, soyez en réceptivité, augmentez votre fréquence vibratoire, qui a l'air quand même très important. À faire, en tout cas pour communiquer avec son guide, stimulez vos sens, ne vous attendez pas à une sensation ou à une solution précise, levez vos blocages et lâchez prise. Je tourne la page parce qu'il y en a peut-être encore. Oui, voilà. Ayez la foi et gardez un état d'esprit joueur. Au quotidien, faire tout ça, n'est-ce pas trop difficile? Ou, deuxième question, est-ce qu'il faut y aller quand même par étapes dans ce chemin? Il faut y aller au feeling. Il faut y aller au feeling. Nous, on a mis des exercices à l'intérieur parce que moi, je suis sophrologue aussi de formation. Violette, elle est vitosienne, donc c'est l'ancêtre de la sophrologie. Donc du coup, nous, l'instant présent, c'est ce qui nous a sauvé la vie. Quand on est dans les méandres émotionnels avec notre hypersensibilité, etc. Et donc, il y a beaucoup d'exercices parce que passer par l'exercice, c'est mettre du concret. Pour nous, c'est très concret la spiritualité. Ce n'est pas un concept du tout. Et on a essayé de mettre ça aussi dans ce livre, en essayant d'expliquer que le guide, il est là dans votre quotidien. Il vous aide dans votre quotidien. Et puis, faire les exercices pour apaiser votre mental, ça va être essentiel. Jusqu'à ce que vous trouviez comment apaiser votre mental. D'ailleurs, votre guide peut vous y aider d'ailleurs au passage, et c'est dans le livre ça aussi. comment développer ses sens subtils? Mais ça, on ne va pas répéter ça pendant des années. En fait, on va développer l'instant présent, on va apaiser le mental. Hop, une fois qu'on a cette base-là, on va pouvoir développer ses sens subtils, monter ses vibrations. Et ça, après, on sait le faire. Ça devient, c'est acquis. Et du coup, il n'y a pas tous les exercices à faire tous les jours. Sinon, c'est trop scolaire. Et puis, il y a des personnes, ils ont déjà des acquis. Il y a des personnes qui sont plus difficiles. Ils ont le mental qui est très, très fort et qui va venir leur mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il y a des personnes, pas du tout. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'élever un peu leurs vibrations et puis tester le guide. Et puis, à ce moment-là, hop, ça roule tout seul. Donc, il faut l'adapter à soi. Nous, on a mis les étapes qui nous semblaient... graduellement un cheminement en fait qui vous emmène vers votre guide, mais sans pratique, évidemment ça reste un concept. Et puis, mais les pratiques, il faut les adapter à soi. Et je pense que là, de la pratique, il y en a beaucoup et je pense que tout le monde trouvera quelques exercices qui va le faire avancer un petit peu plus vers son guide. Alors justement, tu parlais de ce moment présent. Alors là, je suis sur le détecter les obstacles. Où quand le corps et la tête sont déconnectés, effectivement, donc vous expliquez un petit peu le surmenage intellectuel, le mental et notre corps déconnectés l'un de l'autre,
et ainsi de suite. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on tourne la page, on tombe sur les 20 signes révélateurs d'un manque de présence à vous-même. Ce qui nous permet finalement de se dire, ah bah oui, je suis accaparée par l'extérieur, je ne peux pas rester en place, je suis dans l'agitation perpétuelle. Et comme ça, 20 listes, et de se permettre aussi de prendre conscience finalement que on a un manque de présence envers nous-mêmes. Oui, on peut le travailler un petit peu comme un petit quiz, en fait, si on veut. On peut regarder les différents items et se dire, ah oui, là, non, mais là, oui. Puis regarder si on n'a qu'un ou deux items de cocher sur les 20, bon, c'est OK. Si on commence à en avoir un peu plus, se dire, ah peut-être que pour avancer ou peut-être que j'ai des obstacles sur mon chemin parce qu'il faut que je travaille ça. Et ça vous permet de prendre conscience de là où vous en êtes également. Et juste derrière, autour, il y a les exercices qui vous expliquent comment avancer si vous êtes dans cette problématique-là. Si vous n'êtes pas dans cette problématique-là, passez les pages, continuez. Et justement, pour les gens qui sont aussi dans cette problématique, j'ai un mouchillon qui a décidé de venir m'embêter, c'est aussi comment revenir à cet instant présent pas en mobilisant les cinq sens. Et ça, j'ai bien aimé. C'est un exercice que je ne vois pas si souvent que ça, finalement, dans les livres. Et je trouve que les cinq sens, que ce soit la vue, finalement, on ne prend jamais trop le temps, même de regarder la nature qu'il y a autour de nous, ou de nous regarder d'ailleurs. On ne prend pas le temps même de se regarder, de prendre le temps de voir qui on est. Louis, ou bon, moi par exemple, ça va être les oiseaux qui vont chanter, qui va me faire revenir à cet instant présent. Mais il y a tellement de choses qui se passent autour de nous où finalement on est déconnecté. On est dans notre monde, dans notre vie active, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé ça important de mettre ces cinq sens en avant et comment justement retrouver ces sens qu'on a tendance à couper. C'était une petite aparté comme ça, mais. Ça me semble essentiel ce que tu dis, Christelle, parce que en fait, tout le monde, enfin beaucoup de gens, en tout cas les personnes que j'accompagne, souvent me disent, je veux plus de conscience, je veux m'éveiller, je veux m'ouvrir, etc. Et déjà, premier pas qu'on peut faire, c'est déjà de s'ouvrir à notre environnement. Et ça, déjà, on le fait pas. Se mettre en conscience de ce qui se passe dans notre environnement, c'est déjà développer et ouvrir sa conscience. Et puis il y a plein de consciences comme ça à découvrir. Tu citais là les cinq sens. Les cinq sens, c'est génial. En plus, ça vous permet de focaliser votre cerveau dans la réceptivité. Ça évite qu'il soit dans l'émissivité, c'est-à-dire qu'il parle, ça bavarde, bavarde, ça bavarde, ça bavarde dans le cerveau. Voilà, ça c'est le mental. Ça vous permet de ralentir énormément les bavardages intérieurs pour être dans. J'écoute, je reçois, je suis en réceptivité. Et on est touché comme ça par des petits détails qui sont charmants en fait et qui passent complètement inaperçus. On traverse la rue, on traverse notre journée sans faire attention. Les cinq sens, c'est ce que nous on appelle un stop mental, une pause mentale. On calme le mental, ça devient plus silencieux et on sent qu'on ralentit le rythme. On sent que pour observer, pour être tout à fait attentif à chaque détail de la pièce, on a besoin de ralentir le rythme. Et ça, ce ralentissement de rythme, il est essentiel pour se connecter à la spiritualité, à nous-mêmes. C'est ralentir le rythme. Ça se fait pas en rapidité, la spiritualité. Et puis, je vous promets que c'est quelqu'un qui vous le dit. Là, je vous le dis, mais moi, je suis un bon bélier, donc j'avance, j'aime que les choses aillent vite. Mais j'ai appris aussi la patience et j'ai appris qu'en fait, ça servait à rien de courir. Courir après quoi, de toute façon? Au contraire, que tout était là. Vous savez, souvent, on dit tout est en vous. C'est ouais, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Bah, arrête-toi. Pose-toi 2 secondes. Écoute ce qui se passe autour de toi. Puis après, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et pour ressentir son guide, pour aller vraiment toucher du subtil, toucher de l'invisible, bah en fait, il faut déjà être à l'écoute de soi. Et ça, c'est souvent une étape qui est grillée. Les gens veulent atteindre un haut niveau de spiritualité, mais déjà la base, elle n'est pas là. Et ça, c'est les bases, c'est la fondation. L'instant présent, les cinq sens, savoir être en réceptivité, savoir apaiser son mental pour être à l'écoute
de son guide, par exemple, mais ça va vous aider dans plein d'autres événements également et plein d'autres objectifs. Alors justement, les guides sont des êtres d'énergie et nous, nous sommes aussi vibrations et énergie. Et il y a ce fameux passage, donc comment élever ses vibrations. Mais avant d'élever ses vibrations, il faut prendre conscience justement des énergies qui circulent en nous. Très beau schéma d'ailleurs, au passage. Et j'ai beaucoup aimé les racines à l'intérieur, je le montre vite fait. Mais ce schéma, on le connaît tous hein, finalement. Mais c'est bien de le rappeler parce que on a tendance à oublier que nous avons différents chakras et qu'il peut y avoir un déséquilibre entre eux et que il peut être intéressant, on va dire, de réaliser ces petits rituels d'enracinement aussi. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est cet exercice facile, ce protocole, pardon, parce que c'est marqué protocole, ce protocole facile à mettre en place régulièrement, en tout cas le matin. Moi, je sais pas, j'imagine ça le matin au réveil, faire un petit protocole d'enracinement. Et puis cet alignement au ciel, c'est comme si on était relié en bas, mais aussi là-haut. Et ça, ce sont des exercices qu'on peut mettre facilement en place. Mais qu'est-ce que cela peut changer si on ne les met pas en place, par exemple? Justement, ces exercices-là, déjà, ils permettent de vous offrir un temps pour vous dès le matin, comme tu le dis très bien. Mais oui, effectivement, dès le matin, tu mets en place ton enracinement, tu prends quelques instants pour toi. Tu t'offres ça, en fait. Et ça, c'est génial. Et donc, tu t'offres ces quelques instants et tu te relies à la Terre déjà. On est des êtres de la Terre, hein, on a un corps, on est dans la matière, et on a aussi une identité énergétique, une identité spirituelle, l'âme, comme moi je l'appelle, mais vous pouvez évidemment l'appeler autrement. Mais voilà, et c'est redonner sa place autant à l'humain qu'à l'âme. Pas déséquilibré, 50-50 souvent les guides nous disent. Être sur la Terre, un être de lumière. Et ça vient nous rappeler ça, tranquillement. Et puis, s'enraciner, c'est aussi trouver de la stabilité, trouver son ancrage, on dit, retrouver ses fondations. Ça permet vraiment de se stabiliser autant physiquement qu'émotionnellement. Ça permet aussi tout de suite de faire focus avec ce genre d'exercices qui sont complets et qui nous permettent d'être dans l'instant présent, comme on disait précédemment. Donc, ça nous met à l'instant présent, ça nous enracine énergétiquement, ça vient nourrir notre corps énergétique aussi avec ses racines. Et puis, cet alignement au ciel qui nous rappelle aussi qu'on est des enfants des étoiles, comme certains disent, des enfants du soleil, et on est aussi un être lumière. Et cet alignement nous permet d'aller ensuite, quand on ira un petit peu plus loin que le guide spirituel, d'aller se connecter à soi profondément. Comme on disait, hein, on a besoin d'aligner nos demandes, par exemple, humaines avec ce que l'âme a choisi de faire sur cette terre. Eh bien là, on en est clairement là. On en est à aller aligné, voilà, comme si on mettait une colonne de réception à l'intérieur de nous. Là aussi, on est dans de la recherche d'équilibre, équilibre psychologique, équilibre corporel, équilibre et énergétique. Et donc, ce petit, hein, c'est pas très long, on fait pas ça pendant une demi-heure, hein, on peut caler cet exercice dès le matin. Et puis terminer en disant, mon guide, je t'accueille, viens à moi, éventuellement poser son intention de la journée, tiens, donne-moi de l'inspiration aujourd'hui parce que j'ai ça, ça, ça à faire, etc. C'est un exemple, voilà. C'est ça, mettre la spiritualité en fait dans son quotidien. Et du coup, comme je vous disais, bah, c'est très pratico-pratique, c'est très concret. Bah, là, c'est une manière de mettre la spiritualité dans le concret. Et donc en faisant ça, on peut arriver justement à percevoir un petit peu notre corps énergétique. Et justement, il y a ce passage, la respiration. Alors, j'ai pas vraiment vu de passage dessus à proprement parler, mais là, quel est le rôle de la respiration dans tout ça? Parce qu'il me semble quand même que c'est un point important aussi. On n'a pas choisi de faire un point focus respiration parce que ça se voit partout en fait. Là, nous, ce qu'on a C'est vrai. cherché à faire, c'est mettre, voilà, la respiration, elle est en filigrane. Voilà, il faudrait regarder sur le document
le document dématérialisé, faire la recherche, le nombre de fois on a mis respirer profondément. On Non, en mais c'est aurait vrai, hein, sans doute je l'ai 200, vu 300 plusieurs fois. fois. Voilà, parce que la respiration, elle est essentielle. Elle est essentielle à plusieurs aspects, mais elle vous permet de vous poser, elle vous permet d'intégrer aussi ce qui se passe. Donc la respiration, elle va être importante. Quand on parle de l'instant présent, bah, évidemment, on vous dit de respirer. Si vous êtes en apnée, c'est compliqué. Respirer, c'est la vie. Donc voilà, on n'a pas fait focus en effet sur la respiration, mais elle est en filigrane partout, partout cette respiration. Et puis, juste voilà, la respiration c'est la vie, donc oui, respirer. Alors, c'est pour ça que justement j'en parlais, parce que là je refeuillette puisque j'ai pris mes petites notes un peu dans le livre, donc en même temps j'essaye d'aller au fur et à mesure, et c'est vrai qu'en relisant, je voyais marqué un peu respiration un peu de partout. C'est pour ça que je posais cette question, puisque même s'il n'y a pas de chapitre effectivement dessus, ça a l'air d'être quand même un point très important. Et est-ce que c'est pas source d'ancrage aussi finalement, cette respiration? Si c'est une respiration consciente, parce que Oui. respirer, tu respires tout le temps, Christelle, et pourtant, est-ce que c'est ancrage à chaque instant? Tout à fait. Je suis C'est 100% ancrage à spirituelle. partir du moment où tu y mets ton intention. Et si tu arrêtes de faire tout ce que tu fais et que tu te dis juste, je vais respirer. Et là, tu respires en conscience. Voilà. Des facultés extrasensorielles pour sentir le monde invisible. Est-ce que nous pouvons tous y arriver à avoir cette clairaudience, clairvoyance, clairkinesthésie? Le ressenti. Oui, j'étais en train de relire, je me disais, mais je me souviens pas d'avoir entendu ce terme déjà. Ou la clairolfaction et le goût subtil. Est-ce que en pratiquant régulièrement donc ces exercices finalement plus on va dire énergétiques, on va arriver à toucher un petit peu du bout des doigts ces facultés extrasensorielles, ou alors est-ce qu'on en a déjà qui sont cachées en nous, mais que nous ne voyons pas? Alors, tout comme on a nos cinq sens, qu'on voit, on entend, etc., qu'on ressent le toucher, qu'on a les odeurs, le goût, on a superposé, j'ai presque envie de dire, les mêmes capacités au niveau subtil. C'est-à-dire que vous avez vos oreilles qui entendent et vous avez vos oreilles subtiles. Et ces oreilles subtiles, elles sont branchées sur la fameuse radio, la fameuse station où on va recevoir le subtil. Tout le travail là est pas de développer tous les sens. On a souvent un ou deux sens majeurs, plus faciles, plus fluides, qui est déjà là en nous. Et souvent, c'est les mêmes sens que nous on a développés dans nos sens de corporels. Par exemple, il y a des personnes qui sont clairement visuelles. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils se rappellent un cours quand ils étaient au lycée, par exemple, eh bien peut-être qu'ils se rappellent qu'ils voyaient parfaitement le schéma qui était au tableau, ou le schéma qu'ils avaient dessiné sur leur feuille. Il y a d'autres personnes qui vont se rappeler plus au niveau auditif, qui vont se rappeler plus de ce qu'on a dit, etc. Donc en fait, déjà nous-mêmes, chacun, on a des sens qui sont plus développés que d'autres. Il y a des nez, hein, il y en a qui en font leur métier, il y en a qui ont développé leur Oui. papille, et ils en font également leur métier. D'autres qui ont l'oreille absolue. Vous voyez, en fait, c'est pareil. Après, on a donc superposé ces sens subtils. Là, c'est pareil. On ne va pas tout développer. En général, on en développe un ou deux. Souvent deux, d'ailleurs. Mais on ne va pas développer tous les sens. L'idée, c'est de s'appuyer sur le sens qui est déjà prépondérant chez nous, déjà beaucoup développé, et juste de le brancher sur le subtil. C'est-à-dire, c'est un niveau de concentration. Et là, on revient sur tout est énergie et nous sommes énergie, nous sommes vibration. Où là, c'est un état de conscience qui nous permet, un état vibratoire, qui nous permet, techniquement, je vous parle techniquement, de nous brancher plutôt sur l'auditif, si on est auditif, ou plutôt sur du visuel. Ça peut être aussi travailler sur la libération du chakra du troisième œil, par exemple, qui peut aller aussi dans l'aide à ceci. Donc là également, il y a plusieurs exercices qui vont vous aider à développer vos sens subtils. Le vôtre ou les vôtres, mais pas tous. On n'a pas tous les sens.
certaines personnes, c'est pour ça que je disais en début de conversation, certaines personnes, ils vont sentir la présence de leur guide, ou ils vont sortir un frisson, quelque chose qui les parcourt, voire comme une main qui est posée quelque part sur l'épaule, par exemple. Ça, c'est plutôt kinesthésique. Donc c'est plutôt, je ressens dans le toucher. Et puis d'autres personnes qui vont être très visuelles et qui vont dire tout de suite, oui, je vois une lumière, c'est comme si le soleil me baignait, voilà, traversait la fenêtre et me baignait. Voilà, c'est différent d'une personne à une autre. Il faut s'adapter à soi-même et les développer ensuite. Et il y a plein d'exercices pour ça. Alors, les exercices, justement, il y en a plein. Et ça, c'est ce qui est vraiment pratique dans ce livre pour mettre au quotidien un petit peu, j'ai envie de dire, de la lumière dans notre vie. Voilà, chercher le bouton en même temps. De la lumière un peu dans notre vie. Oui, la technique. Et moi, ça fait deux. Et puis, il y a aussi ce côté de vibration basse. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou à ne pas s'en apercevoir, finalement, et qui est aussi important. Et justement, dedans, vous donnez 20 indices révélateurs d'une vi vibration basse. Donc le côté sans énergie, léthargique, épuisé, le moral au plus bas, pessimiste, vous pensez que tout va mal dans votre vie est une lutte continuelle, vous vous sentez en conflit avec vous-même, les autres ou le monde entier. Bref, on voit un petit peu l'énergie qu'il y a dans tout ça et la proéminence de la négativité, hein, j'ai envie de dire. Comment pallier à ça et comment remettre un petit peu cette lumière dans notre vie quand on a l'impression que tout s'effondre autour de nous? Quand tout s'effondre autour de nous, j'ai envie de dire, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire, faut que je vibre haut, je me raccroche à... On fait ce qu'on peut. Quand tout s'effondre autour de nous, on essaye déjà de mettre un pied devant l'autre. J'en parle de façon très concrète parce que je viens de traverser 3 semaines extrêmement complexes. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'ai pu me rendre compte à quel point, dans un moment où je pourrais dire cauchemardesque au niveau humain, eh bien, j'ai pu me raccrocher à la lumière, à ma lumière, à la lumière qui est tout autour de moi, et que ça a été un soutien énorme, tout autant que le soutien que j'avais de personnes autour de moi, très humainement, j'ai envie de dire. Justement, c'est là aussi où ça devient intéressant. C'est que si jamais vous avez fait appel à la spiritualité, à votre cœur, ben c'est pas dans ces moments-là en fait qu'on trouve les réflexes et qu'on trouve l'énergie surtout pour développer ça. On peut prendre comme une bouée de secours, c'est possible, mais moi je vous invite vraiment à installer, si le cœur vous en dit, si vous êtes appelé à ça, à installer votre guide spirituel, à installer la lumière, la foi à l'intérieur de vous quand ça va bien. Quand ça va bien. Quand on a écrit ce chapitre que tu évoques sur le taux vibratoire, sur comment on vibre haut ou on vibre bas, comme on dit, eh bien, on a plus pensé au quotidien, à la vie classique, pas au moment catastrophique. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne se rendaient pas compte, justement, qui n'avaient pas conscience des mots qui sortaient de leur bouche, et donc, comme on peut imaginer, de ce qu'ils pensent aussi au quotidien. Ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait beaucoup de négativité, beaucoup de pessimisme ou de peur dans leur langage. Il faut s'écouter, en fait, parler. Il faut s'écouter et il faudrait presque s'enregistrer, j'ai envie de dire, Oui, et j'étais en s'écouter train d'y discuter. penser. Oui, c'est ça. Et écouter une conversation qu'on a de façon très naturelle avec son voisin, avec sa famille, voilà, avec toutes personnes qui sont autour de nous, et de voir justement si on est positif. Est-ce qu'on est positif? Est-ce que quand on sort et la première chose qu'on dit à son voisin, c'est « Oh là, il pleut encore, quel temps de chien !» Ou est-ce qu'au contraire, on dit « Ah bah, il pleut, ça va faire du bien à la nature !» Vous voyez, je vous donne un exemple bateau là, mais voilà, essayez d'entendre la connotation en fait de nos conversations, s'écouter parler, s'écouter se raconter aussi, raconter ce qu'on a vécu. Ça permet de savoir également si c'est encore quelque chose qui a été digéré, j'ai envie de vous dire, dépassé, transcendé ou pas du tout. Il sert aussi à ça, parce qu'il faut bien comprendre que toutes nos pensées sont vibrations.
Nos paroles sont encore plus, qui sont ancrées dans la matière, là, sont vibrations. Donc, les guides m'ont dit cette semaine une phrase que je vous partage. Ils ont dit à quelqu'un que j'accompagnais, à chaque fois que tu ouvres la bouche, pour parler, hein, tu fais une commande à l'univers. Donc, si tu surveilles ce qui sort de ta bouche, tu surveilles la commande que tu fais à l'univers. Sous-entendu à la vibration à l'univers, parce que c'était son langage à elle, l'univers, et c'est OK. Donc voilà, essayez d'écouter ce qui sort de notre bouche, essayez peut-être d'écouter aussi les pensées qu'on peut avoir, et notre mental, il va plutôt nous inviter à des pensées pessimistes, à voir le verre à moitié vide plutôt Oui. qu'à moitié plein. Et ça, voilà, ça c'est bon, c'est pour un petit peu tout le monde, mais justement, si on fait travailler dans les chapitres d'avant, la gestion du mental, apaiser son mental, développer une autre conscience que celle du mental, c'est-à-dire se désidentifier aussi de son mental. Je ne suis pas ce mental tout à fait pessimiste et râleur. Non, non, eh bien, ce n'est pas moi. Eh bien, on va alors trouver une nouvelle identité, entre guillemets, une identité plus joyeuse, plus lumineuse, celle qui se rapproche plus de notre âme, en fait. Et pour ça, ben, il faut surveiller aussi nos pensées. Il y a un petit jeu qu'on peut faire tout simplement. On peut partager ça, Christelle, un petit exercice inédit, là, avec les internautes. Vas-y, On peut vas-y. Ouais, on peut se rendre compte que d'un seul coup, on a eu une pensée, par exemple, de jalousie, d'envie, ou voilà, je ne vais pas la juger, cette pensée, mais voilà, on se dit, oh là là, j'ai eu cette pensée-là. Pas se culpabiliser, dire juste, je l'efface. Et je mets un tampon croix, vous voyez, clac, clac. Je fais un petit coup de tampon ou stop ou annuler. Un petit coup de tampon annulé sur la phrase et rechercher tout de suite des phrases beaucoup plus positives. Pareil avec la bouche. Et ça serait, avec la parole, c'est très intéressant de le faire en couple, en famille, de le faire entre amis, si vous avez des amis qui vont sur le même chemin. Et de se dire, on fait attention à ce qui sort de notre bouche. On va essayer, bah, un peu comme dans les accords Toltec, hein, tu évoquais tout à l'heure, on va Oui. essayer de ne pas critiquer, hein, que ta parole soit impeccable, hein, il me C'est semble, chez ça. les accords Toltec. C'est-à-dire essayer de ne pas critiquer, essayer d'être le moins possible dans le jugement, essayer d'accueillir les choses, voilà, essayer de reformuler. Si par mégarde, eh bien, il y a une phrase qui est passée comme ça à travers le filet de l'attention, voilà, on se dit, OK, bon, attends, je vais la reformuler, ma phrase. Et souvent, on se rend compte qu'il y a plein de phrases qui sortent de notre bouche comme ça, et puis on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on dit, en fait. C'est comme ça, des fois, on blesse les gens. Et il y a des désaccords, des incompréhensions, souvent comme ça. Et c'est plutôt, bah, revenir à soi et se dire, voilà, comme on dit, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, on nous disait ça quand on était jeune. Bah, en fait, oui, c'est vraiment de réfléchir ce qu'on va dire, essayer d'y mettre le plus de lumière possible, essayer, bah, pas d'enfermer, mais au contraire d'ouvrir. Voilà, donc vous Et pouvez annuler les pensées qui vont pas dans les belles vibrations. c'est assez intéressant comme tu le dis, ça me fait penser aussi un peu à cette communication non violente. Où vraiment, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, puisque chaque mot va vibrer énergétiquement et en même temps va potentiellement, comment dire, vibrer une attente qu'on a. Et donc, en regardant ce qu'on dit et comment on le formule, on voit cette attente, on voit certaines blessures aussi à travers ça, et c'est trouver les bons mots, oui, les bons mots en fait. Pour communiquer avec la personne sans être. Bon, on s'en rend pas compte, mais des fois on peut être blessant, on peut, comme tu le dis, c'est un peu comme les accords Toltec finalement, quand on regarde tout se relie. Et c'est justement mettre ces petits tampons sur le côté de la pensée, où on a pensé le côté négatif. Moi je trouve ça intéressant, au contraire, ça met en pratique. Comment dire? Ça met en lumière certaines. En fait, je trouve que c'est comme si on avait un cercle entre les accords Toltec, entre même le livre, le côté de négativité. Effectivement, on a quand même qui n'a pas de pensée négative à un moment dans une journée. Et là, ton exercice, j'ai bien aimé. En fait, oui, j'ai bien aimé ton exercice là de mettre le petit coup Ça de te tampon, parce que je parle, vais. ça Ah, te parle, mais oui, complètement. parce qu'on a toujours. Et puis là, je pourrais aller un petit peu plus loin, même dans ce que j'explique. Parce que, imaginez, comme disent les guides, à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu as fait une commande à l'univers. Essayez de vous rendre compte quand même que
tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, ça vient compléter, remplir, colorer, je vais dire, voilà, colorer votre aura, par exemple, votre champ énergétique autour de vous. Si vous avez plein de pensées négatives, bah imaginez que c'est comme si vous aviez la pollution parisienne autour de la tête. Si par contre vous annulez pouc, 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 et vous cherchez plein de pensées positives pour reformuler, trouver, des fois c'est pas facile de trouver, hein. Ben, ça nous fait vraiment bosser intérieurement. Et ben du coup au lieu de la pollution parisienne, ben, on peut imaginer que vous avez un grand soleil en fait dans votre aura. Et c'est comme ça qu'on élève nos vibrations. Et c'est voilà, petit exercice cadeau. Essayez, vous verrez, vous nous redirez. Merci Virginie, moi c'est quand je vais avoir une pensée négative, je vais t'imaginer et t'entendre faire pouc pouc C'est pouc sur bon, c'est gravé le geste, le son et l'image. mes Donc tu as pensées. tout J'ai pour l'image. Le son ancrer. Tu as ancré, tu peux tout ancrer là, c'est bon. C'est ok. Faites-le aussi les internautes. Dites-nous si ça vous parle cet exercice. C'est simple, en plus on peut le faire tout seul dans ta tête. Dans le métro. Pouc, 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 pouc. On va peut-être lancer une mode là, Christelle, à nous deux là, tu vois pas? J'ai vraiment l'image. Et puis vraiment le son, le pou 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 Non mais je vous dis, c'est du vécu. Tout ce qu'on a mis dans le livre, c'est des choses qu'on a vécues, intégrées. C'est des exercices qu'on a fait des millions de fois. Donc quand on vous le parle, bah, vous le sentez, on l'a vécu. On l'a clairement vécu. Bon voilà. Moi j'ai vraiment l'idée de... Bon. C'est pas grave. Notre guide spirituel. Puis-je demander la paix dans le monde à mon guide? Ah! Bah écoute, je me souvenais pas. Je tombe comme ça par hasard dessus. Je ne me souvenais pas de ce... Parce qu'effectivement, il y a quand même ces... Oui, je vais la lire. Je vais juste... je vais la lire. Je vais juste dire... en fait, tout au long du livre, donc on a toujours des passages... On va dire détecter les obstacles et ainsi de suite. Vous allez avoir le côté pratique, méditation, et puis les conseils aussi. Et puis il y a toujours un petit passage en fin de chapitre, les questions-réponses. Donc, moi j'aime bien ce petit passage justement parce que c'est un peu toutes mes questions que je viens de poser tout au long en plus de l'interview, hein. Et c'est très concret. C'est des questions que les personnes nous ont posées. Donc, on a essayé de reprendre des questions qui revenaient régulièrement. Donc, écoute, je vais lire la réponse en direct. Vraiment, j'avais oublié, tu vois, cette question. Donc, j'ai envie de le lire. Donc, puis-je demander la paix dans le monde à mon guide? Hop. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, disait la Mahatma Gandhi, pardon. En d'autres termes, commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi. Il n'est pas dans les attributs de votre guide de modifier la nature de l'homme. Le libre arbitre invite chacun à faire ses propres choix et expériences. La dualité, le conflit, la colère, la peur, la haine font partie des apprentissages que nous traversons tous à un moment ou à un autre de nos incarnations. Si vous êtes inquiet pour l'avenir de la planète ou de l'humanité, envoyez-leur votre amour, de la lumière, adressez-leur vos énergies les plus hautes, paix, joie, confiance. Visualisez le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Ensuite, demandez à votre guide de vous aider à mieux vivre en harmonie sur cette planète école qu'est la Terre. Et en dessous, d'ailleurs, donc j'y suis sur cette page, nos conseils pour entretenir une belle relation avec notre guide. Puisque, comme tu l'expliquais, c'est une relation qu'on instaure avec lui et nous. Enfin, je dis lui. Parce que j'ai envie de dire que c'est lui, quoi. Je donne un pronom quelconque, mais après, énergie qu'il est, masculin ou féminin, je crois que c'est un peu propre à chacun, non? Le guide. Le guide, ouais. Tu veux dire est-ce que c'est féminin ou masculin? C'est ça ta question? Ou c'est Non, propre à juste, chacun bah dans quel oui, sens? c'est... Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Je suis désolée. C'est propre à chacun, lui, elle.
On Non, peut non, avoir je des... te l'ai Alors, c'est reformulé, intéressant, je on vais doit pas faire te laisser comme ça. Je vais te faire une réponse comme ça. Alors, le guide, en fait, on dit le guide parce que c'est masculin dans la langue française. Oui. Cependant, il peut avoir une note, une polarité un peu féminine ou masculine selon les êtres de lumière, selon les guides. Moi, j'aime bien dire être de lumière. Et puis, on a des guides avec des... On pourrait dire un peu une personnalité, même s'il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, mais quand même une espèce de personnalité. Il y a des guides, quand ils parlent, on sent qu'ils sont très stricts, assez sévères, puis on a, ils sont assez Oui. légers, joyeux. Il y en a plein qui font de l'humour. Il y a un humour hein, de guide. Voilà, quand voilà, les guides aiment, ça aime bien rigoler, en fait. Hein. Alors, jamais mal placé. Hein. C'est vraiment, quand on dit humour de guide, c'est vraiment souvent de l'humour de circonstance où ils vont appuyer sur un trait de notre caractère. Voilà, gentiment, c'est toujours extrêmement bienveillant. Mais oui, il peut y avoir une polarité féminine ou masculine dans vos guides. Moi, je sais que le guide qui est le plus proche de moi, qui s'occupe de ma vie, Virginie, eh bien, elle a une polarité relativement féminine parce que il y a un ressenti douceur, un ressenti presque maternant que j'aime beaucoup, qui sans doute plaît aussi à mon âme ou est en écho avec mon âme. Et voilà. Mais j'ai un autre guide qui s'occupe du channeling. Je vous dis, celui-là, il est très masculin et très directif, mais on s'adore quand même. Alors, je sais pas, j'ai dans ma tête, j'ai fait une comparaison. Désolée, cher guide, que vous qui allez m'entendre, la comparaison ne sera peut-être pas forcément très. Mais bon, est-ce que le guide, il peut être un peu à notre. Est-ce que le guide nous ressemble, un peu comme un chien va ressembler à son maître? Voilà. Tu vois, Vachement pourquoi intéressant. j'ai. Tu vois, pourquoi j'ai dit bonjour, merci, excusez-moi, mais. Bon, pas physiquement, bien sûr, mais. Non, bien sûr. Alors, le guide, il est exactement comme vous avez besoin qu'il soit. C'est-à-dire que le guide, c'est pas un professeur ni un bon génie, comme on a dit, mais il sait vous parler exactement comme vous avez besoin de recevoir l'information. Quand il passe à travers nous, parfois, des fois je le dis même aux personnes que j'accompagne, je leur dis, oh bah dis donc, il vous ménage pas, il passe pas par quatre chemins. Et souvent les gens ils me disent, ah non mais ça me va très bien. Et à d'autres moments, il y a des guides, ils tournent un peu autour du pot, ils y vont très en douceur, on sent bien qu'ils prennent des précautions pour poser les mots, etc. Et on sent en effet que la personne, elle a besoin de ça. En fait, ils s'adaptent à nous, je dirais plutôt. Et puis, on se rappelle que c'est notre âme qui a choisi ce guide parce qu'elle a parfaitement confiance en lui. Et du coup, bah, voilà, je pense que, évidemment qu'elle choisit, le partenaire pour l'expérience terrestre le plus à propos. Un jour, je crois que c'est dans le livre, les guides nous ont dit, mais la Terre, c'est comme si vous faisiez un grand rallye. Et vous ne pouvez pas conduire Oui. avec la carte, la boussole et le volant dans les mains, et puis les dunes, et puis voilà, faire du hors-piste, etc. Donc vous avez un copilote, c'est votre guide qui tient la boussole, la carte, et vous conduisez. Et du coup, en fait, je pense qu'en effet, qu'on soit sur une autoroute ou en plein Sahara dans notre vie, c'est une image, bien sûr, eh bien, on a le guide qui est tout à fait approprié à notre chemin, à notre cheminement et à qui l'on est, à notre personnalité. Donc voilà. Bon, en même temps, si on a choisi de faire un bout de chemin avec lui aussi, c'est peut-être un peu normal. Du moins, C'est je ça. l'espère. Ça a du sens. Mais c'est vrai que j'ai eu l'image du chien et du maître. Je me suis dit, putain, c'est quand même. Bon, c'est pas flatteur pour eux, mais c'est vrai que c'est ce qui représente assez bien, enfin, je trouvais dans ma tête, sur ce sujet. Bon. Entretenir une belle relation avec son guide, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire régulièrement comme si c'était obligatoire, mais d'entretenir ça et de créer ce lien. Comment créer ce lien justement avec nos guides un petit peu tous les jours, autre que cet aspect spirituel? Peut-être plus avec la foi? Non? Ou je me trompe? Oui, il y a une question de foi, mais encore une fois, pour moi, la spiritualité, ça doit être pratico-pratique, ça doit être dans son Oui. quotidien. Donc, c'est déjà se dire chaque matin quand vous vous levez, dès que vous prenez conscience, qu'il y a votre guide, il vous accompagne, il est là. Et jusqu'au soir quand vous vous couchez. Donc, en fait, c'est déjà peut-être, par exemple, lui dire bonjour.
Bonjour le guide, voilà. Vous pouvez lui parler de vous. Je sais pas, moi, par exemple, bon, je conduis moins aujourd'hui, mais il y a eu des périodes dans ma vie où je faisais beaucoup de route. J'étais seule dans ma voiture et je leur parlais. Je leur racontais ma vie. Et puis souvent, je rigolais, je leur disais, bon, vous savez ça, parce que vous êtes tout le temps avec moi. Mais bon, je vous raconte quand même, ça me fait du bien. Et là, on peut s'écouter parler et se dire, bah tiens, là-dessus, j'ai évolué. Puis des fois, on se met à dire des choses, puis on se dit, bah tiens, ça, c'est pas moi. Ah bah non, c'est le guide qui vient de nous inspirer quelque chose. Ah oui, je pourrais regarder les choses de cette manière-là. Ouais, c'est vrai aussi. Et là, on évolue, on avance. Donc, c'est l'avoir au quotidien dans sa vie, lui parler à haute voix. Alors nous, voilà, on insiste un petit peu là-dessus avec Violette. On trouve que c'est très important que vous leur parliez à haute voix quand c'est possible, évidemment, sans que voilà tout le monde se retourne dans la rue sur vous, mais essayez de lui parler à voix haute quand vous pouvez le faire. Ça permet de focaliser votre pensée, ça permet d'y mettre vraiment l'intention, hein, la commande à l'univers, comme on disait tout à l'heure, et ça permet de vous entendre le dire. Et des fois, eh ben, dans la tête, il y a une phrase qui passe, pensez aux pensées positives. Des fois, dans sa tête, on peut se le dire. Puis quand on essaye de le dire, ben, on n'arrive pas à le dire. Bah, déjà, ça révèle des choses. Donc, vraiment, installer son guide au quotidien, c'est lui dire bonjour, lui dire au revoir le soir, lui faire des demandes, poser son intention, lui raconter votre vie, lui raconter vos projets, ou lui raconter vos aspirations, lui parler de vos doutes aussi, de vos inquiétudes. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je le fais régulièrement quand j'ai des doutes, des inquiétudes, quand je suis confrontée à quelque chose, je lui parle, je lui dis, bah, tiens, il y a ça, je comprends pas, pourquoi telle réaction, bah là, je vois que je suis butée sur quelque chose. Et souvent, naturellement, bah, soit dans ce que je discute, dans mon monologue, je pourrais dire de façon plus française, dans mon monologue, eh bien, il y a des brides de réponses, voire des réponses, comme si d'un seul coup, rien qu'en parlant, eh ben, j'avais par l'inspiration quelques informations qui m'aident à avancer d'un petit pas, un petit pas supplémentaire. Eh bien, il y a des synchronicités qui arrivent dans ma vie et des signes, et je me dis, waouh, ça c'est exactement ce que j'attendais en fait. Et parfois, ces signes, ça passe par quelqu'un d'autre. Une discussion avec une amie, puis hop, elle va vous dire, et là, vous allez dire, ah ouais, mais là, attends, ça me parle de fou. Alors, ça correspond peut-être pas forcément à tout à fait la conversation qu'on a, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai partagé avec mon guide. Et il passe aussi par les autres, parfois, le guide, pour vous répondre. Mais c'est pour ça, il faut l'avoir dans son quotidien, et pas le ranger dans le placard. Le guide, il n'aime pas le placard. Je pense que je le vois assez bien sortir et nous dire ça suffit en nous mettant plein de petits cailloux, tel un petit poucet, en nous disant j'existe, je suis là. Et voilà, je sais pas, je l'imagine comme le petit poucet, nous mettant plein de petits cailloux sur notre chemin pour nous diriger vers une direction selon notre cheminement. J'aime bien cette image. Les guides, eh ben on pourrait faire tout un énorme sujet dessus. En tout cas, tu as répondu à beaucoup, beaucoup de nos questions. Et à travers ce livre, je vais le remettre. Non, je vais le mettre comme ça. Non, alors, il faut que je change Allez, le. c'est quel petit bouton, Christelle? Tu vas t'en rappeler. Crois Elle que va le c'est tous. trouver. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre le livre. Voilà, Tada! bravo! Demande à ton guide la prochaine fois, il te dira. Il dirait comme moi, c'est trop compliqué, il y a trop de boutons. Ah, il peut mettre de la lumière autour de ton bouton, puis tu dis, oh, je vais essayer celui-là. Ah, bah c'est le bon. Ah, oh, merci mon guide. Gratitude. Je lui demanderai plus souvent de l'aide, même si je pense qu'il a quand même beaucoup à faire avec moi. J'aime bien le solliciter. Voilà. J'aime bien le solliciter tout court. J'aime bien voir ces petits messages, ces petits signes. Voilà, je pense que c'est un petit jeu entre nous. Et j'adore le solliciter pour des places de parking. Alors ça, je trouve que c'est la meilleure demande qu'on puisse faire quand on est dans une ville complètement avec peu de places de parking. Et je trouve que ça marche à merveille. D'ailleurs, dans ton livre, tu parles de le solliciter, de lui faire des demandes. C'est vrai que j'ai pas évoqué ce passage, mais de faire des demandes et puis surtout bah, apprendre à formuler ses demandes. Ce n'est pas le je veux, mais le j'ai besoin, le fameux.
nous, on a tendance à formuler de manière un peu douteuse. C'est vrai, mais comme on disait, finalement, ça passe aussi par la communication et communiquer avec son guide, eh bien, ça s'apprend. Ça se Et développe, c'est ce que oui. tu... Voilà. Et c'est ce que tu nous apprends donc à travers ce livre. Et je te remercie en tout cas pour ce moment partagé. Je te remercie aussi. Et puis je remercie aussi Violette Germont. Il me semble qu'en ce moment, ce n'est pas très joyeux, si j'ai bien compris, pour elle. Toutes mes pensées va vers elle en On tout lui cas. Et envoie plein j'espère de qu'elle... lumière de Voilà. rétablissement, oui, en effet. Donc voilà, j'espère que ça ira mieux par la suite. Et puis je vous invite, vous, auditeurs aussi, d'avoir des belles pensées pour elle. C'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de la rencontrer, mais voilà. J'espère un jour pouvoir la rencontrer aussi et discuter autour d'un nouveau livre. Hein. J'adore les livres, donc autour d'un nouveau livre. Elle vous raconterait plein d'anecdotes. Elle est très forte, bien plus forte que moi pour raconter des anecdotes rigolotes. Parce qu'on en a des anecdotes rigolotes, mais quand on en est interviewé comme ça, on ne pense pas forcément à À sortir tout, l'anecdote ouais. sympa qui est à propos en plus. Enfin, moi, c'est pas inné chez moi, mais elle, elle sait très bien faire. Et plein d'autres choses encore. On l'embrasse, on lui envoie plein de lumière. Du coup, je vous remercie toutes les deux d'avoir écrit ce livre. Je pense qu'il va apporter beaucoup de lumière aux personnes et puis surtout les aiguiller sur un chemin vers la communication avec leur guide et puis entretenir cette relation. Sinon, on peut te retrouver où pour les consultations ou autres si on a envie de te voir, te poser des questions, voilà. Comment peut-on communiquer avec toi à ce sujet? Eh bien, vous pouvez retrouver notre site qu'on a avec Violette qui s'appelle accorddame.com. Accord, ah ben voilà, le voilà, accord-âme.com, où dedans vous retrouverez plein de replays parce qu'on fait des channelings, etc. Et puis, bah, cet atelier qui arrive le 24 avril pour rencontrer votre guide spirituel, ce sera avec moi. Et pendant 3 semaines, je vous coach pour arriver à ressentir, à communiquer, à poser les bonnes formulations pour demander, à faire ce début de chemin vers votre cœur. Voilà, vous avez toutes nos actualités, etc. Et puis, si vous voulez également prendre un soin, une séance avec moi, discuter avec les êtres de lumière, eh bien, vous pouvez également nous envoyer un mail ou bien aller visiter mon site qui est plus perso, là, qui est lié à ce que je propose au niveau de mes séances. C'est zen-by-virginie.com. Voilà, merci. Bon, là, je pourrais pas remontrer. Déjà, enlever le Non, web mais... va être... C'est Oui, bon. c'est bon. Non, mais sur Accordam, vous avez le lien. Vous inquiétez pas pour nous contacter, pour me contacter. Eh bien, très bien. Eh bien, je te remercie pour cette soirée. Merci d'avoir répondu à cette question. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci C'était un pour vrai ce livre. plaisir, Christelle. Merci. Merci à toi pour ta Merci à spontanéité. tous. Oui, Merci à toute merci. Oui, l'équipe. j'avoue, j'étais. Merci à tous. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission, il me semble, dès lundi. Donc, il me semble que c'est avec Mallory Malmason. Il me semble. Je n'ai pas les dates exactes. Donc voilà, nous, on va se retrouver donc très bientôt. Et je vous dis à tous, bonne soirée. Au Bonne soirée, revoir. les internautes.